Donc, police secours. Rapport de police du 19 mars 1996. Le lieu a été barré. Heure de l'appel, 23h33. L'opérateur téléphonique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, quelle est la nature de votre urgence? Un homme au bout du fil avec une voix paniquée qui répond. Je sais pas trop, je viens de me réveiller, là je viens de voir un homme dehors, il a l'air blessé, mais aussi dangereux, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un? Bien sûr, quelle est votre adresse? Allô, monsieur? Quelqu'un? Vous êtes toujours là? Le gars au bout du fil qui répond d'une voix hésitante, oui, oui, oui. Puis un silence, et dans sa voix, on l'entend qui marmonne. Qu'est-ce qui se passe, putain? L'opérateur, toujours à l'autre bout du fil, qui essaye de récupérer toutes les informations possibles. Monsieur, est-ce que tout va bien? Vous pouvez me donner votre adresse? Je sais pas, il vient de se lever, son visage. C'est quoi ce bordel? Ok, monsieur, s'il vous plaît, faites le tour de la maison et assurez-vous que vous avez bien toutes les fenêtres et toutes les portes qui soient verrouillées. Et essayez de trouver un endroit afin de pouvoir vous mettre à l'abri. Et si vous pouvez, essayez de garder tout le temps un visuel sur l'homme dehors. Des bruits de verrou, quelques minutes de silence, puis la personne à l'autre bout du fil qui répond « Ça y est, la maison est sécurisée. » Le policier, du coup, « Monsieur, est-ce que vous allez bien? Y a-t-il un endroit dans la maison où il y a, où il n'y a pas de verrou, où il n'y a pas de verrou et pas de fenêtre ?» Enfin, où il y a un verrou et pas de fenêtre, pardon. Le gars à l'autre bout du fil qui répond « C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça ?» Le gars, « Monsieur, restez en ligne, s'il vous plaît. Racontez-moi ce qui se passe. » Sa tête, elle est collée. Elle est collée à la fenêtre et il sourit. Monsieur, gardez votre calme. Essayez-moi de le décrire. Ses dents sont très aiguisées et son sourire, c'est... Oh putain, ça devient... Et un silence. Monsieur, vous êtes toujours là, s'il vous plaît, répondez. Il tape à la fenêtre, il veut rentrer, qu'est-ce que je fais? Et il entend le policier commence à entendre des sanglots. Monsieur, allô, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Courez dans une pièce où vous pouvez allumer les lumières pour faire du bruit, quelque chose. Fin de l'appel.